plus retenu pour la FAQ que j'ai posée il y a quelques temps. J'ai pas eu encore le temps de faire. Comme vous voyez, je l'ai fait à Handaï. Donc, première question. Chouchou Production, comptes-tu acheter d'autres modèles? Oui, mais pour ça, il va falloir que je vende deux autres modèles, donc le CC01 Café Cruiser et le HGP601, le modèle sur motrice. Bon, après, il faut que je le vende pour, parce que je suis complètement indépendant du niveau d'argent. Voilà. Qu'est-ce que tu utilises comme caméra? Toujours la même personne. J'utilise une Xiaomi Yi, c'est le concurrent de la GoPro, qui coûte 4 fois moins cher et comme vous voyez j'ai une qualité plutôt pas mal, qui me permet d'être pas mal. Lux Game, c'est quoi ta musique intro? Ah, bonne question. Alors ça c'est une musique d'Amixem, pour ceux qui connaissent, un youtubeur assez connu, il y en a bonne. Donc ne traitez pas de plagiat, c'est une musique sans copyright. Pas de problème, pour l'instant ça va. Chouchou Production, vas-tu changer d'endroit pour tourner tes vidéos? Oui. Je le fais autour de là où j'habite, donc je suis quand même dépendant de mon père pour les déplacements, mon père ou ma mère. Comme là je peux le faire à Handaï très souvent, parce que j'y viens plutôt souvent, c'est pour ça que j'en fais pas mal. Et à chaque je passe aussi souvent des fois à Gourette, mais disons qu'à chaque fois j'oublie ma caméra. J'essaierai de faire une vidéo là-bas avec peut-être le nouveau modèle que j'aurai sur la neige. Le joueur du 64, à quand notre prochaine session tous les deux, une petite dédicace dans ta vidéo? Bah, complètement éloigné, hein, quand tu veux, mais la prochaine fois t'évites de réussir à déboîter le transformation avant de CC01. Hein, salut. Bon, maintenant, c'est tout ce que j'ai comme question, on en a posé très très peu. C'est pour cela que j'ai décidé de vous parler de l'avenir de la chaîne. Alors, sur l'avenir de la chaîne, je prévois tout simplement de la diversifier. C'est-à-dire que je ne vais pas rester que sur le modélisme avec Fraxa Slash et du modèle. C'est pas celui-ci, hein, je vous rassure, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement commencer à faire des vidéos de ski en achetant un harnais sur la station de Gourette. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est un petit vidéo qui tient à cœur tout simplement, parce que je ne peux pas faire que ça. Ensuite, je ralentis un petit peu les rythmes de mes vidéos, je ferai principalement pendant les vacances. Tout simplement parce qu'à cause du brevet qui arrive, ce ne sera pas forcément évident de gérer à la fois les vidéos et le brevet, surtout que ma moyenne en ce moment n'est pas terrible, terrible, on va dire que de 5 c'est pas terrible. Donc si je me retrouve dans un bon lycée, une bonne école, etc., il vaut mieux que je commence à bosser et que je mette légèrement de côté sans abandonner. Légèrement les vidéos, j'en ferai moins souvent. Donc, tout simplement, on va pas me dire oui, pourquoi ne sort pas de vidéos, etc., etc. Je veux pas finir aussi non plus comme Antoine Daniel, ou What the Cut. Donc, j'espère que cette FAQ vous aura plu. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, liker, d'habitude quoi. Allez, salut les modélistes.